exemple de devoir de contrôle numéro 3 en mathématiques pour les deuxième année sciences. Donc, devoir à défi deux exercices, un exercice algèbre et un exercice géométrie. L'exercice algèbre. Donc, on a le polynôme P de x égale x3 moins x au carré moins x moins 2. C'est un polynôme de degré 3. Question Luleni, vérifiez que 2 est une racine de P, maintenant que 2 est une solution. Il suffit de remplacer x par 2 et on va calculer P de 2. Donc P de 2 égale 2 à la puissance 3 moins 2 au carré moins 2 moins 2 égale. Et les petits manières, il y a 4, il y a 2. إلا 2 دونك 8 إلا 4 باش تعطيني 4 4 إلا 2 باش تعطيني 2 2 إلا 2 باش تعطيني 0 alors لهنا 2 est une racine de p. voilà question اللي بعدها factoriser alors le polynôme p. donc احنا شنو عندنا لهنا عندنا polynôme de degré 3 donc وطلعنا une solution اللي هي 2 alors p de x égale x moins 2, c'est la solution, fois ax au carré plus bx plus c. Le but, c'est de déterminer a, b et c. Donc, là, je joue normalement factorisation. Voilà. Donc, pardon, je joue normalement développement. Donc, je t'attigne libre, je t'attigne ax3 plus bx au carré plus cx moins 2ax au carré moins 2bx moins 2c. OK égal je نحط لي x3 مع بعضهم لي x كاري مع بعضهم لي x مع بعضهم ولي كونستانت تاع باش نحطهم مع بعضهم OK دونك شنو باش تعطيني لهنا باش تعطيني a x3 plus x au carré fois b moins 2a plus x fois c moins 2b moins 2c هذه هي البولينوم تاعنا اللي هو x3 moins x au carré moins x moins 2 alors par identification donc est égal à a égal à le coefficient il est موجود بعد x3 هو 1 donc b moins 2a le coefficient il est موجود بعد x carré هو moins 1 et c moins 2b le coefficient il est موجود بعد x هو moins 1 et moins 2c la constante terme هي moins 2 alors on peut déterminer c donc c égal à 1 bien sûr a égale à 1 on peut déterminer b donc b il y a moins 1 plus 2a c'est-à-dire moins 1 plus 2 b égale à 1 l'équation هذه c'est pour vérifier nous خدمتنا صحيحه donc انا كي نعمل c moins 2b c'est-à-dire 1 moins 2 fois 1 qui est égal à 1 moins 2 égale à لهنا moins 1 voilà il y a moins 1 donc notre démonstration est vraie a égale à 1 B égale à 1 et C égale à 1. Donc, P de X, X moins 2 fois X au carré plus X plus 1. OK? Donc. Mais, bien sûr, je vais le raquer. Alors, on va factoriser donc polynôme second degré. Donc, l'année x au carré plus x plus 1, factorisation, on pose qui est égal à 0. Donc, delta égale à b au carré moins 4ac. Et b, bien sûr, 1, c 1 ou aa. Donc, a moins 4 qui est égal à moins 3. Elle est négative. Pas de solution. Donc, je n'ai pas le polynôme terme. Donc, finalement, p de x égale donc x moins 2 fois x au carré, donc juste venez vérifier, voilà, donc c'est égal à 1, b égal à 1, et a égal à 1, donc voilà, donc x au carré plus x plus 1, voilà. OK, et donc on va passer les questions 2. Résoudre dans R l'équation x au carré plus 2x moins 8, enfin l'énoncé l'année, donc égale à 0, puis factoriser, donc x au carré plus 2x moins 8, donc égale à 0. L'année, on a l'a égale à 1, l'b égale à 2 et c égale à moins 8. On va calculer delta qui est égal à b au carré moins 4ac, donc égale à 2 au carré moins 4 fois 1 fois moins 8 qui est égal à 4. L'année, on dit moins ou moins, je dois lire plus, donc 8 fois 4, il y a 32, voilà, donc qui est égal à 36, il y a 6 au carré.
Alors, x1 égale à moins b, donc moins b moins racine de delta sur 2a. Il y a moins 2 moins 6 sur 2, donc l'année, moins 8 sur 2 égale à moins 4. Et x2 égale à moins b plus racine de delta sur 2a. Il y a moins 2 plus 6 sur 2, donc 4 sur 2 qui est égal à 2. Alors, l'année, s dans r égale à moins 4 et 2. Et voilà. Donc, factoriser, donc x au carré plus 2x moins 8, forme canonique, donc nax au carré plus bx plus c égale à a fois x moins x1 fois x moins x2. Elle est dans le cas où delta est positif, ok? Voilà, donc l'année a obtenu a, je te parle donc x moins x1, c'est-à-dire moins moins 4, alors plus 4, et x moins x2, c'est-à-dire moins 2. Voilà, donc la factorisation de notre polynôme. Question 3. Soit h, la fonction rationnelle définie par h de x égale x moins 2 fois x au carré plus x plus 1 sur x au carré plus 2x moins 8. Question Louleni, déterminer l'ensemble de définition de cette fonction. Alors, et fonction rationnelle. Donc, condition, il faut que x au carré plus 2x moins 8 différent de 0. Alors, le dénominateur, égal à 0. Déjà, on a cherché des solutions où le dénominateur est égal à 0. Fait la question. Donc, c'est-à-dire x, est différent de moins 4 et de 2. Okay? Donc, le domaine de définition, c'est R privé de moins 4 et 2, tout simplement. Alors, pour tout réel x appartient à D, simplifier la fonction terme H, puis déterminer son signe. Alors, H de x, qui est égal à x moins 2 fois x au carré plus x plus 1, sur x au carré plus 2x moins 8. On a factorisé donc x au carré plus 2x moins 8 et on a trouvé il y a x plus 4 fois x moins 2. Donc, la même, je te l'ai dit, x moins 2 fois x au carré plus x plus 1 sur x moins 2 fois x plus 4. On a simplifié x moins 2. Finalement, h de x égale x au carré plus x plus 1 sur x plus 4. OK? Voilà. Tableau de signes, donc l'année, bien sûr, maintenant, sous le domaine de définition, vous l'avez privé de moins 4 et 2. Donc, le moins 4, je vais mettre, ou 2, bien sûr, je vais mettre. Ça, c'est moins l'infini, et ça, c'est plus l'infini. La double fonction linéaire, il y a x au carré plus x plus 1. Déjà, on a calculé delta, qui est négatif. Donc, le signe de cette fonction, qui est psychone. Par exemple, n sur moins 1. Moins 1 au carré, je vais 1. 1 moins 1, je vais 0, plus 1. Positif. Je n'ai moins 2. Donc, j'ai un signe 4. Moins 2, c'est 2. Plus 1, positif. Toujours le signe de 1. Donc, elle est toujours, elle est positive. Fonction libata, donc, liée x plus 4. Bien sûr, ça nulle en moins 4. Négatif ou bata, bien sûr, positif. Et notre h de x, bien sûr, on a deux barres. Donc, x privé de moins 4. Et 2. Alors, plus par moins, plus par plus, plus, et plus par plus. Ça, c'est le signe de notre fonction sur son domaine de définition. B. Juste l'année vérification. Donc, elle est qui n'a fonction aslani. Donc, il y a le moins l'infini, le moins 4, elle est négative. Par exemple, on va calculer h de moins 5. Donc, quoi est égal? H de moins 5 égale moins 5 moins 2. Fois moins 5 au carré, moins 5 plus 1, sur, donc, moins 5 au carré, plus, moins 2 fois 5, c'est-à-dire plus 2 fois moins 5, donc moins 8, égal. Et dit, p'tatini, moins 7, fois, donc, l'énem p'tatini, 25 moins 5, donc 20, 20 plus 1, 21, sur, et dit, p'tatini, 25 moins 10, donc 15, 15 moins 8, bien sûr, p'tatini, l'énem 7. Voilà. Donc, on a un coût positif, on a un signe moins. Alors, elle est négative. Déjà, elle est négative.
On va calculer par exemple h de 0. Donc h de 0, je t'atteins 1 là, je t'atteins moins 2, donc négatif. Voilà, je t'atteins moins 8, donc négatif par négatif, je trouve positif. Kif kif. Juste là, il dit vérification. Il dit c'est vérification. Tout le brouillon, bien sûr. Ok. L'exercice 2, donc un exercice géométrie sur l'homothétie. Soit c'est le cercle de centre O et de rayon 2. Soit AB un diamètre de C et M un point de C distinct de A et B. Construire le point C et image de B par l'homothétie H de centre A et de rapport 2. Déterminer et construire le cercle C' image de C par H. La droite delta passant par C est parallèle à BM, recoupe C' en M'. Déterminer l'image de la droite PM par H. En déduire que H de M égale à M'. Évaluer le rapport CM' sur BM. Allez, l'exercice, on va corriger ensemble. Donc, la première chose, Anna, construire le point C, image de B par le mot TCI, H de centre A et de rapport 2. Donc, on va construire le cercle C de centre O et de rayon, donc 2, et le rayon interne à 2 cm. Donc, il y a le point O, il y a le cercle. Voilà. Soit A et B, un diamètre donc du notre cercle. Le point A et le point B. Et M, un point de C distinct de A et B. Le point D, le point M. Construire le point C, image de B par le mot TCH de centre A et de rapport 2. Donc, on va construire cet point. Donc, ici, c'est le point C, image donc de point B, donc par l'homothécie H, l'homothécie, elle est de centre A et de rapport 2. C'est-à-dire, donc A, B égale 2, A, C. L'homothécie, elle est de centre A et de rapport 2. Donc, A, B égale à 2, A, C, film jusqu'au point C. Donc l'intersection, le point C, c'est juste un tableau AB, et le point C. Alors, déterminer et construire C' image de C par H. On va construire C' image de C par H. Alors, on va construire O' image de O par H. Donc, O' image de O par H. Donc, dis-moi, O est le milieu de AB. AB est le diamètre. Donc, O est le centre d'un autre cercle. Alors, AB égale à 2 à O. Donc, AB ou 2 à O. Donc, l'année de Pchiartini et nous, H de O égale à B. Le mot TC, elle est de centre A, pardon. Donc, H de O égale à B. Alors, le cercle C, donc l'année, elle est de centre O et de rayon 2. Donc, C prime l'image de C par l'homothétie. Donc, H, il y a cercle C prime de centre l'image de O, l'UOP, et de rapport, donc, K fois 2, c'est-à-dire 2 fois 2, donc de rayon, 4. Alors, je trouve le point C prime, le cercle C prime. Donc, il y a le donc, centre m'teha le point B. Ou le rayon m'teha ou 4. Voilà, donc, je coule l'hene A, B. Voilà, donc, il y a C'. Ok. Alors, la droite delta passe par C, parallèle à BM. Donc, passons par C, parallèle à BM. Alors, j'ai éliminé ça, le BM. Et on va l'hene construire la parallèle à BM, passant par C. Elle est hauteur droite delta. Donc, recoupe ses primes en point M'. Et bien M'. Ok, voilà. Donc, l'année,
Déterminer l'image de la droite BM par H. Donc l'image de BM par H شنو باش يكون. Donc là H de BM. Et la droite parallèle à BM passant par H de B, il y a bien sûr C. Donc, H de BM, mais Kunken, c'est M'. C'est la droite parallèle à BM et passant par C, donc il y a bien sûr C. M'. Voilà. On déduire que H de M égale à M'. Donc, bien sûr, M appartient à BM inter C. Donc, H de M appartient à H de BM inter H de C. C'est-à-dire, H de M appartient à H de BM ou à donc c'est un prime inter H de C, c'est C prime. Donc H de M metkoun ken le point l'hne C ou M prime. Or bima ennou H de B hi C, donc H de M metkoun ken M prime. Ahna goulna l'hne ennou H de M est l'intersection entre C M prime et C prime. Donc C M prime et c'est prime ou deux points, ou m prime ou c. Je me trouve c, elle a déjà c et h de b. Donc maintenant je me trouve qu'un m prime. Voilà. Donc question l'chreni. Évaluer le rapport c m prime sur pm. Donc l'année, on va évaluer le rapport c m prime sur pm. Alors on a h de b égale à c. On a h de m égale à M prime. Donc, c'est M prime, le vecteur c'est M prime, c'est 2BM. Donc, elle est chertine, chertine, il nous c'est M prime sur BM égale à 2. Voilà. Donc, l'année, c'est-à-dire, Anna Ahna. Voilà, donc, juste l'image, l'année, donc, Gouna 2M, il y a M prime. Voilà, donc, à Kayankoun, Kamel. L'exercice interne, le rapport, donc c'm' sur bm égale à 2. Alors, c est l'image de b, ou m' est l'image de m. Alors, nous avons autre manière, c est l'image de b. Alors, ab égale à 2ac. Nous m' est l'image de m. Alors, am égale à 2am'. Okay. Donc, les relations, on va démontrer que c'est un prime sur BM égale à 2. Donc, c'est un prime égale à 2BM. Ça nous donne que c'est un prime sur BM égale à 2. Voilà, donc l'image de BM. Okay. Donc, il y a c'est un prime. Voilà, donc ok, on continue le devoir de contrôle numéro donc 3 en mathématiques pour les élèves donc deuxième année sciences. Quand on a et est-ce que ça a marqué comme qu'un test de sabouranet.